Nihao, Shi, Maceo, wa Passuit. Je suis en section internationale du chinois. La ville de Montpellier est jumelée depuis une trentaine d'années avec la ville de Chengdu. Le jumelage consistait à faire travailler les facultés ensemble, puis les lycées, les collèges. Et depuis l'ouverture de cette école, nous travaillons en collaboration avec les écoles de Chengdu, qui est notre ville jumelle. Nous sommes jumelés Montpellier avec la ville de Chengdu. D'autant plus que nous avons à Chengdu l'équivalent de cette école au niveau de l'architecture. Pour faire du lien de façon naturelle, nous avons tous le même architecte. Cette école a ouvert l'année dernière avec 8 classes. Maintenant, nous sommes 12 classes pour l'année, c'est-à-dire d'enfants de 3 ans jusqu'à des enfants de 11 ans. Ils sont 320 dans l'école cette année, enfants, avec 12 professeurs, plus nos professeurs de chinois qui interviennent 3 heures par semaine pour les enfants qui font du chinois. L'intérêt d'une section internationale, c'est d'ouvrir la curiosité des enfants, quelle que soit la section et la langue qui est apprise, ainsi que la culture, ça fait partie de l'ouverture d'esprit des enfants. Ici, avant toute chose, c'est une école de service public, c'est-à-dire ouvrir pour tous les gens du quartier. Les enfants sur Montpellier qui font du chinois et qui veulent venir dans mon école en font la demande à l'inspection académique. Si le dossier de l'enfant et c'est vraiment un désir de l'enfant, l'enfant passe une espèce de petit test directement à l'inspection académique et il est accueilli dans notre école. C'est très intéressant. Ça suppose beaucoup d'organisation, d'emploi du temps, mais ils sont d'une très grande disponibilité et ça amène un vrai enseignement de la langue. Vraiment. Pour une école élémentaire comme la nôtre, qui est toute neuve en fin de compte, on a ouvert avec 5 enfants en CM2, en fin de cursus, qui ont choisi de faire du chinois simplement en CM1. Maintenant, ils sont 24 cette année. Il faut que l'on continue à travailler, à multiplier les professeurs, que chacun puisse continuer d'enseigner dans de bonnes conditions. Tout ça pour que nos petits deviennent des citoyens du monde, en fin de compte, et s'ouvrent. Et eux, toute la façon de parler, de s'accueillir. Non, on a aussi plein de choses en commun. La cuisine. Et les enfants vont avoir l'occasion de découvrir tout ça, puisque nous continuons le jumelage et le partenariat, et que chacun a à cœur d'envoyer des missives en Chine. Et bientôt, l'école Chengdu va nous répondre. On leur a souhaité... Il est le meilleur pour ces fêtes de fin d'année, d'autant plus que celles de Chine sont décalées. Et rien que ça, pour les enfants, c'est déjà de comprendre qu'il y a d'autres temps festifs dans le monde que les leurs. C'est aussi important. Moi, je suis Léo, Wapasui. Moi, je suis Fakwajen. Ni hao, wa Chuli Xiong. Ni hao, wa shi Alexis. Ni hao, wa shi Merlin. Wa chio Naël. Moi, je suis Fakwajen. Ni hao. Wa cha hongli. Wa tiswe. Moi, je suis Fakwajen. Ni hao. Wa cho matis. Wa shu Fakwajen. Dans l'école Chengdu, la particularité de la section internationale chinoise, c'est que les élèves sont en inclusion. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de classe élitiste avec tous les enfants qui font chinois sur l'école. On a fait le choix de répartir chaque enfant qui fait chinois dans une classe normale
afin que les élèves puissent transmettre leurs connaissances au reste du groupe classe. Donc à chaque fois que les enfants sont en chinois, ils apprennent des choses. Les enfants qui ne font pas chinois en apprennent d'autres. Et à chaque retour en classe, on a des échanges sur ce qui a été appris, de chaque côté. Voilà, nous c'est ça notre fonctionnement et notre cheval de bataille, c'est justement l'inclusion. On a deux enseignants chinois qui sont envoyés par le Hanban. Donc on a Monsieur Sun Xiangtao qui vient pour les CE1, il a 14 élèves, et on a Monsieur Hui Feng Tao qui lui fait les CE2, CM1 et CM2. Il a à peu près une quinzaine d'élèves également. Voilà, eux, chaque jour, pendant trois quarts d'heure, font un cours de chinois. Les élèves en SI donc ont 3 heures de chinois par semaine. Il existe un programme de chinois. Le programme prévoit qu'à la fin de l'école primaire, les enfants qui ont suivi des enseignements en section internationale maîtrisent le palier A1 sur le CECRL. Avant tout, moi je pense que c'est surtout le plaisir qui doit ressortir de cet enseignement en primaire, que les enfants prennent plaisir à venir apprendre une nouvelle langue, là le chinois, et aient envie de continuer. Si on a gagné ça, je pense qu'on a gagné pour le reste, pour le reste de leurs études. À mon échelle, je fais en sorte que les enfants aient le plaisir, surtout le plaisir de découvrir cette langue, cette culture. Dans ma classe, j'ai donc des enfants qui font chinois en section internationale, des enfants qui ne font pas chinois. Et on essaye de mettre en lien toutes les compétences. Les enfants, je préfère qu'ils passent par le jeu, par la découverte, par la curiosité pour accéder au chinois. Et je pense que vu la difficulté, notamment à l'écrit de cette langue, c'est une méthode qui leur plaît particulièrement. Dans ma classe, j'essaye de mettre en place une méthode ludique pour accéder au chinois. Car j'ai des enfants qui sont en section internationale, des enfants qui n'y sont pas. Ces deux groupes partagent leurs connaissances. Et vu qu'on a une partie de la classe qui n'a pas à atteindre le palier A1 ni quoi que ce soit, j'essaye de les attirer vers cette langue par le jeu, par la découverte de l'écrit sous toutes ses formes. Et je pense que c'est un moyen assez intéressant étant donné la difficulté d'accéder à l'écrit du chinois. Dans notre établissement, on a la chance de faire chinois. On a la chance d'avoir une section internationale chinoise. Les enfants ont cette possibilité de faire ce choix maintenant. Ça n'existait pas avant, donc déjà ça, je trouve ça absolument génial. Après, pour notre établissement plus spécifiquement, on a un petit souci, c'est que les enfants, pour continuer au collège, doivent aller dans un établissement qui est assez éloigné de notre école. Donc c'est un frein pour de nombreux parents à la poursuite des études en chinois. La principale amélioration, je pense, qu'il pourrait y avoir pour notre section internationale, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle grossisse, ce serait justement avoir un collège de secteur avec une section internationale chinoise. Moi, j'ai commencé le chinois en quatrième, par le biais du CNED. Donc j'en sais quelque chose sur la difficulté de l'apprentissage du chinois sans pouvoir bénéficier des sections internationales. Je suis arrivée au bac sans bien parler chinois du tout. Par contre, après, j'ai eu la chance d'habiter en Chine, dans le Henan. J'ai habité dans une famille d'accueil et j'ai été scolarisée dans un lycée chinois pendant un peu plus d'un an. Et par la suite, je suis retournée en Chine l'année suivante. Une fois tout ça passé, j'ai fait une licence de chinois, puis un master spécialisé dans l'éducation. Pour moi, le chinois, c'est...
une langue mystérieuse qui me passionne depuis que je suis toute petite et pour laquelle il me reste énormément de choses à découvrir encore et que j'ai un plaisir immense à partager et à enseigner. Pour moi, le chinois, c'est une culture. Une culture. Pour moi, le chinois, c'est une culture. Le chinois, pour moi, c'est de la culture. Le chinois, pour moi, c'est une langue passionnante. Pour moi, le chinois, c'est super. Le plus difficile en chinois, c'est l'écriture. La prononciation. La prononciation et les caractères. Et l'écriture, quoi. L'écriture. D'écrire les caractères. Ce qui m'attire le plus dans la langue chinoise, c'est les caractères. C'est une langue que j'aime bien. J'aime bien la Chine et parce que je trouve que c'est une belle langue. C'est amusant. J'ai trouvé que c'était une très belle langue et que j'aimais bien, je voulais apprendre.